Shame, shame, shame. C'est KLM 1570, Evelyn Champagne King. À chanter, il est 15h05. Si vous aimez les émotions fortes du ski alpin, passez donc chez Arlington Sport pour tous vos besoins en équipement. On a tous les grands noms, Rossignol, Dynastar, Nordica, Salomon, Ed et le reste. On a des skis, des fixations, des accessoires, des bottes, des tenues. On a tout ce qu'il vous faut. À prix d'aubaine, des fixations à frein Salomon S2, une exclusivité Arlington, prix courant 65,98 $, offerte à 55,89 $. Passez cette semaine chez Arlington pour en profiter. Oui, nos aubaines sont vraiment exceptionnel. Mais ce n'est pas tout. Voyez tous les rabais qu'Arlington Sport vous propose dans son grand catalogue d'hiver. C'est gratuit dans tous les magasins Arlington Sport. Demandez-le. Et dans quelques secondes, Love de Gene Manson. Chez Bro et Martineau, on vous offre des super, mais super spéciaux de Noël. Relaxez en écoutant un système de son comprenant AM/FM, table tournante, enregistreuse, lecteur 8 pistes, deux haut-parleurs, base incluse pour $199 seulement ou un téléviseur couleur 20 pouces à $399. Service et livraison inclus. Ici, Robert Arcan. Venez me rencontrer jeudi, vendredi et samedi chez Bro et Martineau du 382 boulevard des Laurentides à Laval. Chez Bro et Martineau, c'est là que ça se passe. Thank you.
avec Gene Manson à CKLM. Que personne ne bouge, on bouge immédiatement après les informations. Barbra Streisand et Donna Summer avec No More Tears. Enough is enough. Êtes-vous prêts pour le dernier voyage dans l'espace? Jeudi 20 décembre avec CKLM 1570, la radio des années 80. Il est 15h10 ici, Pierre-Olivier, les informations à CKLM. Le responsable syndical de la négociation avec Hydro-Québec, Claude Morisseau, estime que les contre-propositions syndicales aux dernières offres patronales pourraient amener un règlement rapide du conflit. C'est ce que M. Morisseau a déclaré ce matin lorsqu'il a été invité à commenter les déclarations du ministre des Finances, Jacques Parizeau, et de son collègue au travail et à la main-d'œuvre, Pierre-Marc Johnson, qui affirmait que des progrès significatifs avaient été enregistrés dans les négociations. Toutefois, M. Morisseau ainsi que le porte-parole patronal ont déclaré qu'il n'y a pas de négociation présentement. Les deux parties en cause attendent une convocation des conciliateurs Bernard Crevier et Denis Tremblay avant de reprendre les pourparlers interrompus depuis lundi matin. 11 600 employés de bureaux, de métiers et techniciens d'Hydro-Québec sont en grève depuis mercredi dernier. Le ministre des Transports du Québec, Denis de Belval, a rendu public aujourd'hui les éléments d'une réforme en profondeur du financement des services urbains de transport en commun. À partir du 1er janvier, le gouvernement versera en subvention une somme équivalente à 40% des revenus provenant des services du transport en commun. Par ailleurs, le gouvernement encouragera l'émission de laissez-passer mensuels en finançant le coût total de la réduction qui sera consentie sur le tarif régulier par les commissions de transport. Le ministre québécois de l'Énergie et des Ressources, Yves Bérubé, croit que le gouvernement devra probablement augmenter et même doubler les subventions prévues dans le cadre du programme fédéral-provincial de développement des pâtes et papiers. Selon le quotidien Le Soleil de Québec, les producteurs de pâtes et papiers auraient exprimé leur intention d'investir un montant record de 2,5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Cette somme représente presque le double des prévisions d'investissement établies lors de l'annonce du programme conjoint en mai dernier. Le chef du Parti libéral du Québec, Claude Ryan, a annoncé aujourd'hui que son parti allait s'opposer à l'adoption du projet de loi 57 sur la réforme de la fiscalité municipale. M. Ryan a soutenu que ce projet de loi, le gouvernement, s'orientait vers l'abolition pure et simple des commissions scolaires, ajoutant que toute cette réforme se traduirait nécessairement par un accroissement du fardeau fiscal des Québécois. Le projet de loi transfère la quasi-totalité de l'impôt foncier des commissions scolaires aux municipalités, les commissions scolaires étant subventionnées dorénavant à 100% par le gouvernement. Le ministre d'État à la réforme culturelle, M. Camille Lorrain, a indiqué que les objectifs de la loi 101 avaient été respectés. Dans un rapport remis hier à l'Assemblée nationale, le ministre a souligné le fait que la loi numéro 101 avait atteint ses objectifs dans les milieux scolaires. Ainsi, les élèves dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais se sont inscrits à 51% dans des institutions francophones, alors que, comparaison faite en 1973, 18% seulement agissaient de cette façon. Ici, Pierre Graval. La firme General Motors a annoncé aujourd'hui à Détroit de nouvelles réductions de production de voitures et de camions dans 7 de ses usines des États-Unis, ce qui entraînera la mise à pied de 11 000 travailleurs pour une période indéterminée. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier, portera à 57 000 le nombre d'ouvriers de GM mis à pied et à 115 000 le nombre de travailleurs de l'automobile en chômage aux États-Unis. La faiblesse des ventes de grosses voitures s'est accentuée au cours du mois d'octobre et de novembre, alors que les ventes ont été inférieures de 15% à celles de la même époque l'an dernier. Sur la scène internationale maintenant, le principe d'un cessez-le-feu mettant fin à une guerre de guérillera de 7 ans au Zimbabwe-Rhodésie a été accepté à Londres par tous les participants à la conférence sur l'avenir de cette colonie rebelle britannique. Le Front patriotique, qui représente quelques 70 000 guérilleros noirs, a finalement donné son accord aujourd'hui aux propositions britanniques qui avaient été acceptées par le régime de Salisbury au début de la semaine dernière. La date et les modalités de cessez-le-feu, notamment le désengagement des forces rivales, seront décidées dans les prochains jours par les experts militaires des trois parties. Ce conflit a fait plus de 20 000 morts. Et du côté sport maintenant, eh bien, soulignons que ce soir, les voisins de Laval reçoivent la visite des éperviers de Verdun à compter de 20 heures au centre sportif Saint-Vincent-de-Paul. Sûrement un match à voir. Et à la météo maintenant, eh bien, on nous prévoit un dégagement avec du soleil pour demain, un temps dégagé la nuit prochaine et un maximum demain de 3 degrés. Et à 15h15, c'est 4 degrés à Laval, 5 à Montréal.
life is boring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stay. Électronique, la meilleure place à Montréal pour acheter votre système de son. MTL Électronique, vous payez le vrai prix du gros. MTL Électronique vous demande de vérifier les prix avant d'acheter votre système de son. MTL Électronique, vendeur des marques les plus connues sur le marché, tels Pioneer, Sensuite, Technics et Kenwood. MTL Électronique, 6952 Est rue Sherbrooke, 2335 Est rue Bélanger, au 916 Est rue Mont-Royal. Il est 15h20, la radio des années 80 avec la ligue musicale qui vibre à 790-01-81. CBS présente le nouvel album de Martin Stevens, Midnight Music. Oh, midnight music.
so si bon. Help, I need a doctor. Don't know what's happening to me. Martin Stevens, depuis sa version disco de Love is in the Air, jouit d'une réputation enviable parmi les disc jockeys de nos discothèques. Le nouveau micro-sillon de Martin Stevens, Midnight Music, est maintenant en vente chez A&A. À la place Vertu, au Carrefour du Nord, à la place Versailles, au 1621 rue Sainte-Catherine-Ouest. La bijouterie Faneuf a d'excellentes suggestions pour vos cadeaux de Noël. La magnifique et toute nouvelle montre Bijou Pro, garantie supérieure aux autres en 6 points. Vous trouverez aussi des tas d'idées à la bijouterie Faneuf. Des boucles d'oreilles en or à partir de $14.95. Des montres, des bagues, de quoi combler les êtres chers. Pensez à la bijouterie Faneuf, membre Bijou Pro au centre commercial Forêt et Faneuf Saint-Amour aux galeries de Terrebonne. Raymond Bourgeois. Laval, Montréal, Lautrec, Donald a chanté Hit the Road Jack. Les 15h25 minutes avec Raymond Bourgeois jusqu'à 16. En réserve, la musique de Chic avec My Forbidden Lover, Fidel. Viens-t'en dans mon lit. À compter du 17 décembre, CKLM 1570 présente. Bonjour Miami, bonjour Jean-Roger. Bonjour. Comment ça va, Montréal-les-Bains? Bien, merci. Qu'est-ce qui se passe à Miami? Où sortir? Où aller? Quoi voir? Spectacles, activités, événements.
température ou par ton français en cas d'urgence. Jean-Roger vous renseigne du lundi au vendredi à 7h45 durant l'émission d'André Robert. Et chez vous, la température, c'est quoi aujourd'hui? En le moment, c'est 80. La Floride, chez vous, pour le petit déjeuner, tous les matins de la semaine à 7h45. Est-ce qu'il y a déjà des vedettes québécoises qui sont à l'affiche là-bas? Et qui a commencé le dernier au Sheldon, c'est Jean-François Carrel. Bonjour Miami, avec Jean-Roger, dès le 17 décembre à l'antenne de CKLM 1570, la radio des années 80. Et pendant ce temps-là, à Laval-Montréal, c'est nuageux avec des risques d'averse, des vents du sud-ouest de 30 à 50 km/h. C'est l'après-midi ce soir et la nuit prochaine. Jeudi, demain, un dégagement avec des vents modérés et un minimum de 0 la nuit prochaine et près de 4, de 0 à 4. La radio des années 80. Et dans quelques 15 minutes, approximativement, nous procéderons à un autre tirage dans le courrier CKLM. Coupon du dimanche matin pour remettre deux autres paires de billets permettant d'assister, dis-je, à l'avant-première du film Moonraker le 20 décembre prochain. True. You tried to hide that sinister
Forbidden Lover, CKLM, Laval, Montréal, il est 15h33 minutes. Feed de Barry Manilow, T-Lex et Michael Jackson au cours des prochaines minutes. Le journal de Montréal, ce qui tape, ce qui clique, c'est un paquet de monde bien renseigné, surtout autour de nous. Je viens de proposer 332-3890 pour m'abonner au journal de Montréal parce que je veux être au courant de ce qui se passe. La politique, ça m'intéresse. Les sports, la mode, les pages féminines et bien sûr la livraison chez moi tôt le matin. Faites comme moi. Maintenant, appelez. 332-3890, 332-3890. Au journal de Montréal, les annonceurs, millions d'acteurs, c'est un paquet de monde bien éveillé, un paquet de monde bien renseigné. Partout au Québec, les gens relèvent le défi de Pepsi et se laissent prendre par le goût. On reconnaît un gagnant à son goût. Goûti, c'est le goût qui l'emporte. Pepsi! Oui, partout au pays, vous avez relevé le défi. Et comme vous l'avez dit, le goût de Pepsi, c'est votre favori. Pepsi. Je trouve que c'est Pepsi qui est le meilleur. Chaque jour, de plus en plus de Québécois découvrent le goût de Pepsi. Au Québec, les gens continuent de relever le défi de Pepsi. Pepsi Cola. Dorénavant, je crois bien que je vais adopter une Pepsi Cola. On reconnaît un gagnant à son goût. On reconnaît un gagnant à son goût. Goûti, c'est le goût qui l'emporte. Pepsi. Et là, nous devrions écouter un message de l'angelier fleuriste. 1, 2, 3. Quand vient le temps de choisir des cadeaux, on court toujours trop. Alors, pourquoi ne pas choisir le bon numéro 253-10-16? C'est le numéro du magasin L'Angelier Fleuriste. Fleurs fraîches, arrangements de fleurs séchées, fleurs de soie colorées, lampes aux formes diverses et bibelots très décoratifs. André Robert sera chez L'Angelier Fleuriste jeudi, vendredi et samedi au 4690 Est rue Sainte-Catherine, près Vio. 12 000 pieds carrés de belles choses dans l'est de la ville. L'Angelier Fleuriste. Come on.
15h39, CKLM, Laval, Montréal, à côté de 16, Rock Diddy. Il y a beaucoup plus de musique à CKLM 1570. La radio des années 80. Barry Manilow. Her name is Lola.
she was a showgirl. But that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Copacabana. The hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love. Vous écoutez Raymond Bourgeois. Oh, à de Copa, Copacabana. André Saint-Pierre fréquentait cet endroit plus jeune, ben oui. Il est 15h43 minutes à la radio des années 80 avec la musique de Tillex, Mouse Cow, Disco. Ligne musicale 790 0181. Café ici à France. Les fraîcheurs sont synthétiques. Leurs chansons sont fantastiques. C'est quand même Laval-Montréal, il est 15h46 minutes. Et attention, voici maintenant les noms de deux autres personnes gagnantes qui assisteront à l'avant-première en compagnie de 398 autres personnes et de l'équipe entière de CKLM au cinéma Odéon Berry le 20 décembre prochain à 20h30 grâce au coupon de participation CKLM dimanche matin. Monsieur Edmour Prou de la rue Saint-Urbain à Montréal. Bravo, Monsieur Prou. Et madame ou mademoiselle, ou peut-être monsieur, J.G. Constantin, un monsieur fort probablement, de la rue Champagneur à Outremont. Deux autres gagnants pour ces tirages de l'avant-première du film Moonraker de James Bond en vedette de Roger Moore. Je rappelle que le soir de l'avant-première, toutes ces personnes, tous ces gagnants seront éligibles pour le prix de présence ou un voyage pour deux personnes à Miami pour une semaine, incluant une excursion de deux jours à Cap Kennedy, une gracieuseté de l'agence de voyage Marco Polo. Bravo à tous nos gagnants et gagnantes et continuez à sintoniser CKLM 1570, la radio des années 80.
N'attendez pas à la toute dernière minute pour faire vos achats. À compter du 11 décembre, les magasins des galeries Rive-Nord seront ouverts jusqu'à 21h. Rive-Nord, on pense à vous. Là-bas, mettons chez nous, on pense à vous. Chez nous, aux galeries Rive-Nord. Pour vos présents des fêtes, les boutiques des galeries Rive-Nord débordent d'idées cadeaux. Les 6, 7 et 8 décembre, amenez vos tout-petits assister au spectacle de marionnettes et d'animation. Aux galeries Rive-Nord, sortissant de l'autoroute du 40. Mettons chez nous, on pense à vous. Chez nous, aux galeries Rive-Nord. Michael Jackson et son nouveau hit dans 60 secondes, Rock With Me. Rallye le monde, rallye, cette lumière neuve où vous n'êtes pas. Rallye le monde, rallye, que le monde aime quand il aime s'encontrer. Les maîtres brasseurs O'Keefe. Ah, oh, yeah, yeah, yeah. Michael Jackson. Rock With Me. Laval, Montréal, 15h52. Québécois souvenir, la musique de Toulouse. Trop tard, je suis désolé, mais ta vie a changé. Trop tard.
Mesdames, messieurs, Michel Giroir. Salut, chérie. Comment vas-tu? Pour $1.75, je suis à toi. Partout. Dans le métro et dans tous les kiosques. Salut, chérie. Si tu le veux, je peux m'endormir et même m'éveiller avec toi. Tu sais, chérie, je suis à toi. Ce mois-ci, dans Salut, chérie, la vie cachée de la princesse Grâce de Monaco. Dans Salut, chérie, on te dira comment être belle pour Noël. En plus, un éventail de petits cadeaux pour tes bien-aimés, chérie. Salut, chérie, c'est Michel Giroir qui t'embrasse. Salut, chérie, le magazine de la vraie Québécoise en vente partout te dit joyeux Noël, chérie. Oh, d'accord. Dans quelques minutes, Rock Daddy. Jusqu'à 20h ce soir, suivi de 20 à 23h de Lucien Robert à la radio des années 80. C'est Raymond Bourgeois qui vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À notre antenne, on se quitte avec la musique de Stargard. Wear it out.